Et on peut donc dire bonjour à YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce Let's Play sur Jakix version PS2. On est toujours en live sur Twitch pour continuer cette aventure avec la suite de la coupe éco jaune, la dernière coupe du jeu. Comme d'hab, on va essayer d'enchaîner les épreuves pour essayer de débloquer la prochaine épreuve du Grand Prix. On avait fait la première. Je tiens à dire que depuis la dernière session, j'ai juste refait les épreuves qu'on avait déjà faites dans lesquelles j'avais pas terminé premier. Il m'a permis du coup d'obtenir d'autres points médailles en plus. Donc au moins quelque part, ça va me permettre de m'avancer un petit peu pour la progression de la coupe en elle-même. Donc maintenant, on va enchaîner. Hein. Là, ce qui nous attend, ce sont les épreuves du côté d'Abriville. Station de pompage, égout d'Abriville, Abri-Falaise. Abri-Falaise, normalement, c'est une épreuve en arène, je crois. Voici un excellent défi. Et c'est encore un jeu de capture. Et écoutez, on va commencer avec ça, je pense. Alors garde un œil sur... Oui, t'inquiète pas, Kira. Hein. On a déjà fait ça une fois, je connais les règles du jeu. Je peux pas tous vous avoir. Donc comme d'hab, la première équipe, en l'occurrence, à avoir 50 points, et bien l'emporte. Donc c'est de la capture du drapeau, hein. Faut être le premier à récupérer la pile d'énergie, et puis... hop, purée. Ah non, j'ai pas eu le temps de la prendre. Et après, la ramener jusqu'à sa base. Je sais même pas où est-ce qu'il est passé là. Ça commence bien, je suis déjà le premier à me faire exploser. J'étais en train de galérer à trouver celui qui avait la cellule. Pour l'instant, ça commence très bien. Là, l'équipe bleue est en train de nous rétamer. Non. Ouah, c'est le bordel parce qu'il y a tout le monde qui est... Tout le monde en fait est les uns sur les autres, donc c'est vrai que c'est très très vite le bordel, surtout si on se coince dans un mur quelque part. On va essayer de protéger notre partenaire. Il lui reste une miette de vie, mais ça va être ramené à temps. Let's go. Je regarde le chat, je regarde pas où je vais. Ouais, voilà, maniabilité, prise en main, c'est surtout ça qui demande à être maîtrisé parfaitement si effectivement tu peux t'attaquer à du speedrun, ça c'est... Ça effectivement, je veux bien te croire. On doit jouer le dernier véhicule de la coupe où tu débloques Razor, ah ouais, effectivement. C'est pas forcément ouvert à tous, quoi, le speedrun du jeu, quoi. Et on va essayer de récupérer ça. Oh non, genre il a récupéré comme ça. Bon, ça va, il s'est fait kill assez vite, mais... Putain, il me l'a... Il me l'a piqué au nez alors que j'étais au-dessus. Bon, on va se concentrer un peu parce que là, c'est très serré en vrai. Mon véhicule est bien endommagé là. Allez, on va essayer de les éliminer. Ok, c'est un rouge qui l'a récupéré. Parfait. On va essayer de le protéger des autres. Non, je veux pas tirer sur mes potes. Où est-ce qu'il est? Il est derrière moi. Est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Bon, je pense qu'il se dirige vers notre base. On va pouvoir essayer de récupérer la suivante. Allez, je vais essayer de faire le tour par la droite en espérant pas mourir. Ok, wouah, la vache. Déjà, concernant Jackie, je suis bien content d'avoir fait le platine du jeu. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un petit accomplissement. Allez, oh, non, non. Voilà, c'est bon. Allez, on en ramène une dernière et après on sera tranquille. Après je triche aussi si tu comptabilises toutes mes heures de jeu sur Jack qui sont... Ah ouais, quasiment 500 heures, effectivement tu l'as... Hayard le jeu, mais bien violent quoi. Où est-ce qu'il est? Non, de l'autre côté, Jack, de l'autre côté. Bah oui. Bon, là ça va, heureusement. Non, ne dérape pas, s'il te plaît. Oh, je vais crever. Eh ben c'était sûr. Il n'y a pas de petite victoire. Non, mais après, quelque part, c'est bien. Au moins, pour que tu passes autant de temps sur le jeu, c'est qu'il vraiment il te passionne à fond. Donc, quelque part, c'est cool. Là, par contre, faut qu'on gère là. Parce que là, c'est la dernière. Non. Qu'est-ce que je disais? Voilà, c'est la panique. C'est la panique, je fais n'importe quoi. Mais si tout va bien. Voilà. Et en plus, on voit Jack se suicider juste après. Mais au moins, on a gagné. Bon, c'était très serré, mais au moins, ça passe. Allez, on va pouvoir enchaîner. De toute façon, c'est la dernière coupe. Hein. Là, les épreuves, elles vont être impitoyables.
Donc c'est normal que ce soit pas non plus simple. Rain, à propos de ton père, Crow, tu vois ? Rain, il faut que tu saches quelque chose. Pour tous les accros de vitesse, aujourd'hui des révélations saisissantes en direct. Votre serviteur a retrouvé des documents prouvant que Jack est responsable de la mort de Crow. Quoi ? Jack l'aurait laissé mourir dans une terrible explosion. Vous êtes vraiment sans pitié. C'est très compliqué. Rain, je n'avais pas le choix. J'ai damné Jack pour qu'il avoue. C'est vrai que la fille de Crow, elle n'était jamais au courant de comment son père était mort, en fait. Vous le saviez tous, n'est-ce pas ? Voilà qui devient intéressant. Évidemment, on l'a laissé mourir près de la fameuse bombe qui devait servir dans Jack 2 à ouvrir la pierre des précurseurs. Donc là, pour la fille de Crow, c'est un peu... Ton père n'était pas celui que tu crois. Il a fait couler. C'est un peu le coup dur, quoi. Et tu penses que Miso vaut mieux ? Si nous perdons ce championnat, toute la ville en pâtira. Ah, tu ne comprends pas. Laisse-moi. Je gagnerai sans toi s'il le faut. J'ai l'habitude de me débrouiller seule. Elle n'est pas contente. C'est une licence que j'adore. En plus d'apprécier le studio, j'attends impatiemment l'annonce de The Last of Us 3 pour acheter le pack play avec les 3 jeux plus la console. Ah ouais, carrément. Bah pareil, hein, moi Naughty Dog, en vrai c'est un studio que je kiffe aussi, hein, en soi tout ce qu'ils ont fait comme jeu c'est culte, hein, Crash Bandicoot, pour les amateurs de plateforme hardcore c'est parfait. Je parle surtout des tout premiers jeux faits par Naughty Dog. Jack c'est pareil, c'est une licence très cool. Uncharted, j'en parle même pas, c'est l'une de mes préférées. The Last of Us, si je devais faire vraiment un top 10 de mes jeux préférés, je pense que The Last of Us 1 et 2, j'arriverais même pas à les départager, je les mettrais top 1. Tellement c'est des jeux qui m'ont bouleversé, tellement je les ai trouvés incroyables. Donc Naughty Dog, pareil, je suis un fan. Et puis c'est vrai qu'il y avait le fameux The Last of Us multijoueur qu'il devait faire, ça a été annulé. Mais bon voilà, on espère que ce qu'ils vont nous concocter va être bien. Ça va être cool. On verra. Que ça soit la suite effectivement de la saga The Last of Us ou une nouvelle licence, parce qu'apparemment c'est confirmé, hein, ils l'ont eux-mêmes confirmé qu'ils allaient faire qu'il y avait une nouvelle IP, une nouvelle licence en préparation, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Allez, on est parti pour une heure de pointe où nous allons tout dégommer sur notre passage, en espérant que je me démerde. On fait ça sur le centre-ville d'Abriville. Alors comme d'hab, faut essayer de viser surtout les bleus, vu que c'est celle-ci qui valent énormément de points. Bon, après, plus je peux essayer de choper une médaille d'or, mieux c'est, parce que ça pourra m'éviter par la suite de faire d'autres épreuves pour compenser les points médailles que j'aurais pas eu en n'ayant pas fini premier sur les épreuves d'avant. Ah là 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 là, c'est pas simple. Donc là, il faut 450 points juste pour le bronze, quoi. On parle même pas d'argent ou d'or, là c'est juste le bronze. Putain, les grands scores comme ça me rappelle le défi du jetboard dans Jack 2 qui est infâme à faire. Alors le défi en lui-même il est simple à faire, hein, juste pour continuer l'aventure. Mais alors si tu veux l'argent et l'or, mais si tu ne maîtrises pas un minimum le jetboard, tu peux vraiment t'arracher les cheveux sur ce défi. C'est... Ah non, 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 mon véhicule qui fait n'importe quoi là. À certains moments, je heurte un véhicule et mon véhicule fait un tête à queue, il part vers le mur à côté. C'est pas l'objectif, c'est pas le principe du truc. Alors excusez-moi, je lirai plutôt le chat peut-être au terme de l'épreuve. Voilà, super, encore un accident. C'est vrai que la fille de Crow, c'est pas celle que t'as forcément envie d'apprécier. Et par Kira, elle est peut-être plus autant mise en avant par rapport à Jack 1, mais même le 2 d'ailleurs. Mais elle reste une fille plus appréciable que la fille de Crow, si on devait la comparer en tout cas. Ah la vache, il me reste combien de temps? 1 minute 10. 1 minute 10 pour essayer d'au moins avoir le bronze. Bon, le bronze, je devrais réussir à l'avoir, ça je m'inquiète pas. Mais on va essayer de viser l'or quand même, ce serait cool. Ouah, non mais c'est pas possible! Jack le suicidaire. Ouah, mais ce véhicule ne tient pas la route! Et ça, c'est bête parce que c'est du temps que je perds. Oula, je suis quasiment sur le point de mourir. C'est très très bête parce que c'est vraiment du temps que je perds.
Et en plus, je loupe la balise d'écho bleu, d'écho vert, pardon. Donc là, autant dire que là, à la moindre touchette, voilà. C'était l'accident assuré. Il me reste combien de temps? 25 secondes. Aïe, 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 aïe. Ça va être très chaud. J'aurai au moins le bronze, je pense. Au pire, si vraiment je fais une performance pas terrible. Mais arrête de faire n'importe quoi! C'est pas possible. 480, allez. Au moins l'argent, ça serait bien, là. Ouais, ou alors 550, vous êtes des tarifs, vous. Oh non! Avec le combo, j'ai eu des points en plus, mais à un point, je loupe l'or. À la blague. Oh, je suis dégueu. À un point, quoi, je suis dégoûté. Akira, elle est plus sympa, ça, on est d'accord. Hein. À un point, je suis dégueu. C'est pas possible. Bon, après, là, c'est pas grave, c'est qu'une épreuve où on a fini deuxième, ça peut... On peut dire que si ça arrive cette fois-là et qu'on arrive à mieux maîtriser par la suite, c'est pas grave. Alors fonce et sois difficile. Faisons un petit combat à mort, allez, pour... se déchaîner un peu, là. Pour compenser cette deuxième place un petit peu dégueulasse, je dois l'admettre. Allez, allons éliminer nos amis de manière sauvage. Aïe. Oh bah tiens. Oh. Ok. Bon bah déjà voilà, Cutter, t'avais qu'à pas rester devant moi. Ah, si je peux essayer de le suivre. Ah non. Ok. Ok, j'ai réussi à en avoir 3 déjà, donc là je commence très bien. Allez, 2-4, ça c'est fait, 5 même. Je suis en train de rouler sur ce défi, je sais pas ce qui m'arrive. Autant c'était un peu juste sur le défi celui d'avant. Ouais bon. C'est pas grave, là je me suis fait exploser, mais bon, vu le nombre de points que j'ai d'avance, regardez, j'ai là logiquement. Ah bah voilà. Tout ça parce que j'ai posé une mitrailleuse à un endroit ultra précis qui visiblement a très bien servi. J'ai roulé sur ce défi. Bon bah voilà. Médaille d'or ease pour le coup. Bah là pour le coup c'est un peu presque du speedrun. Ce que j'ai fait sans le vouloir. Mais là c'était vraiment du très 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 rapide. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Une course. Bon, bah, de toute façon, je pense que des courses, il va bien falloir qu'on en fasse hein, à un moment donné. Hein. Et ben, on est parti pour une course classique. Alors, la station de pompage, c'est pas forcément le circuit que je préfère. Hop, voilà, déjà mon véhicule qui veut pas tourner quand je le veux. C'est une catastrophe. C'est pas grave. Oh, il a réussi à se soigner avant de se prendre... Oh, bah j'ai réussi à l'avoir avec ça. Ça a rattrapé mon coup. Bon, allez. On essaye de se concentrer un minimum quand même. Non. Non, 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 non. Si je peux essayer de rester le plus longtemps possible devant, moi ça m'arrange. Ouah, par contre ça m'a perturbé de ouf ce rebond. J'étais pas prêt. Ok. Waouh. Ah je vous l'ai dit, hein, le pilotage dans ce jeu c'est... Ah d'accord, je m'attendais pas forcément à recevoir une mine comme ça de manière impromptue, mais ok. Ouah, wow, non mais par contre, s'il te plaît, arrête de te comporter comme une savonnette, mon petit véhicule. Explosion! Macron, ah, par contre ça pue ça. Ah c'est bon, j'ai réussi à dégager les mines que j'avais sur mon véhicule. Par contre là, il n'y a rien qui va, là, je suis quatrième. Et je re-explose encore. Ah ouais, oula oula, là c'est compliqué, hein.
Oui, bah c'est bon, n'en rajoute pas non plus, Pecker. Par contre, là, j'avoue que là, les premiers, ils sont loin devant. Je m'attendais pas à ça. Y'a rien qui va, là. Ça, je suis pas d'accord. Ah, petite sphère d'énergie qui va éliminer le premier. Ça, c'est déjà bien. Oh non! Mais c'est pas vrai. Ah, je le sentais pas bizarrement cette course là et bah faut croire que j'ai eu raison. J'ai eu raison de ne pas le sentir. Mais c'est pas possible, c'est mon véhicule, y a les virages importants, mon véhicule fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah enfin, j'aime bien les murs vite fait quoi. Là pareil, mon véhicule il a fait un saut de zinzin, je sais pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas le droit de sortir visiblement du peloton, hein. Genre vraiment ceux qui sont avant le podium, ils veulent pas me laisser passer quoi, c'est... Tout ça quand même assez fou. Ah, yes! Bon, je fais ça et puis mon véhicule fait n'importe quoi encore. C'est-à-dire que la direction plus serre. Alors c'est vrai que le cercle, c'est, je crois que c'est pour directement le frein à main, alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui me fait défaut. Bon, je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout de ce tour. Peut-être qu'avec un miracle... Oh non, oh. Là ça y est, je... C'est la panique. Bon, là en vrai, si je vois que c'est... Y a pas une possibilité que je puisse essayer de rattraper les autres, je pense que je vais recommencer la course, hein, parce que là c'est comme là c'est, ouais bon allez, on va réessayer parce que là c'est, y a rien qui va. En plus je rate mon départ turbo, super. Et ça quoi, j'ai pas l'habitude d'utiliser le frein à main, mais c'est pas possible, mais le véhicule, en fait, dès que t'accélères un peu, c'est... Il devient immaniable. Voilà, super. Encore un accident de plus. Ce n'est que le 239e depuis le début de ce let's play. On ne les compte plus. En fait, c'est à force d'avoir amélioré la vitesse du véhicule. Je vais tellement vite, j'arrive même plus à le maîtriser, en fait. Eh ben, je veux bien te croire que ça doit être celle qui peut potentiellement foutre ta run en l'air. Parce que mon dieu, le tracé en fait est super dur. Waouh, on a été deux à avoir été explosés en même temps. Et là ce qui est terrible, c'est que regardez où est le premier, où sont le premier et le deuxième, regardez l'avance qu'ils ont. C'est indécent. C'est, enfin, ouah, non mais là... Laissez-moi une chance aussi, hein, les gars, hein, parce que là, honnêtement... Alors, ouais, je pense qu'effectivement, avec cercle, tu peux réussir un peu mieux à doser pour les... on va dire pour les virages serrés. Ah, bah, désolé mon pote, hein, tu t'es fait kill, voilà. Ah oui, effectivement, c'est... Bon, il va falloir que je maîtrise un peu, parce que j'ai pas l'habitude de le faire, mais j'ai l'impression que ça marche mieux, effectivement, avec cercle. Donc, je te remercie quelque part pour l'astuce. Je vais essayer de l'utiliser le plus possible. Ok, hop, purée. Ouais, bon, là, c'est... Oh, petit coup. Ouais bon là l'enchaînement, là pour moi c'était trop compliqué. Mais ouais par contre je vais galérer de ouf hein, pour chercher même le podium là sur cette course parce que là regardez... Faut être le meilleur pilote du monde pour réussir à les rattraper. M'en fait presque me dire comment j'avais réussi à l'époque à terminer premier sur ce circuit. Parce que j'ai dû forcément le faire pour le platine.
Pour l'instant, ça se passe pas mieux. Hein. Toujours dernier, mais... Ah bah voilà. Enfin, quelque chose qui va m'aider un peu à remonter quelques places, je l'espère. Attention, 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 attention. Puis c'est ça qui est terrible, c'est la RNG. Hein. Des fois, tu peux faire un super, hein, tu peux vraiment faire une super perf. Et à la toute fin, tu te prends la fameuse sphère, là, l'équivalent de la carapace bleue, comme je le dis là. Et ça nuit tous tes espoirs. Et des fois, ça peut faire effectivement que tu peux pas accéder à la suite en récuré. Et pour une fois que je passe premier, je me prenne ma dose aussi. Mais ouais, honnêtement, mais c'est pas possible. Vous voyez, j'étais premier, je repasse dernier, juste parce que le jeu me pisse dessus. C'est vraiment, c'est terrible, mais c'est ça, quoi. Aïe, mais purée. Et puis alors, dès que mon véhicule part en tête à queue, c'est même pas impossible de... C'est impossible d'essayer de corriger le tir. Je peux même pas essayer de retrouver une trajectoire à peu près droite. Alors attends, ouais, bon, là le premier, j'arriverai jamais à le rattraper, il a trop d'avance. Faudrait que le jeu soit gentil, il me redonne une petite bombe nucléaire, là. Ce serait bien. Oh putain, mais... Ah non, mais là... Je pense que c'est peut-être le circuit, pour le coup, j'arriverai peut-être même pas à atteindre le podium. Hein. Là, je pense que... Là, on l'aura fait même deux fois, du coup, mais... Là, honnêtement, si j'arrive même pas à être au moins troisième, c'est pas grave, on passera quand même à une autre épreuve, et puis... Et puis, tant pis, hein. On aura perdu du temps, mais... Là... Là, c'est trop compliqué même pour moi, quoi. Ah, peut-être que... Ouais, bon, bref. Troisième place, mais bon, ouais, c'est... Là, j'avais pas assez de maîtrise pour essayer d'être premier, on va dire, facilement. Là, ça devient trop compliqué. À l'époque, j'ai dû y arriver parce que comme je tryhardais le jeu à mort pour le platine, je pense que ce circuit-là, j'ai dû le refaire en vrai énormément de fois pour être premier. Mais là, on atteint un step trop haut pour moi. Allez, heure de pointe. Ça, normalement, je devrais avoir un peu plus de facilité. On va essayer de s'en sortir. Oh, j'arrive plus à maîtriser le départ turbo, c'est pas terrible. Mais bon, là sur une épreuve comme ça, normalement c'est je suis censé avoir une médaille d'or assez facilement. Donc espérons que j'y arrive quand même. En vrai, je suis un peu dingue hein, parce que là, du coup, avec le défi de tout à l'heure où il me manquait un point pour être premier, et puis là, ce circuit qui s'est révélé être une bouse et qui fait que j'ai dû galérer pour avoir ne serait-ce que la troisième place. Ah mince, j'aurais dû rester à droite. Je vais être obligé du coup de refaire potentiellement une épreuve en plus pour avoir le minimum nécessaire pour la prochaine épreuve de qualification. Donc je suis un peu deg, mais bon, écoutez... Ouais, mais la dernière fois, ça va, je l'avais commencé à le maîtriser aussi, mais... Je commençais à peu près à voir la fenêtre, on va dire, de temps où il fallait appuyer. Bon, je le maîtrise pas encore totalement, la preuve, on l'a vu. Mais effectivement, lors de la dernière session, j'avais commencé, on va dire, à peu près à comprendre comment ça marchait. C'est ça qu'au départ, je m'en souvenais qu'il y avait un départ turbo dans ce jeu. Mais c'est un peu moins clair que dans Mario Kart, quoi. Autant Mario Kart, le départ turbo, genre, faut vraiment le faire, quoi, pour le rater. Quand tu connais... quand tu joues, on va dire, assez souvent Mario Kart, tu peux pas le rater, le départ turbo. Autant, c'est vrai que Jack X, j'avais fini par l'oublier. Ah, mon Dieu! Bon, au moins, hop, deuxième tour. Il reste un peu plus d'une minute. Le pire, c'est que ça va. C'est pas le circuit plus compliqué qu'on a, là.
Donc pour un défi heure de pointe, d'accord, mon véhicule qui fait un tonneau au calme. Pour un défi heure de pointe, ça va. Ok. Donc là par contre faut que je reste sur la droite après. Alors pas forcément tout de suite, sinon forcément tu te prends le décor. Ça fait pas du bien. Ouais, ça y est, mon véhicule. Au bout d'un moment, quand il se prend trop de drones, trop de véhicules, il en peut plus. Et encore une fois, ça va se jouer à rien. Là, je dois avoir ce qu'il faut, juste ce qu'il faut pour avoir le bronze. Mais vraiment, les épreuves sont vraiment vachement plus dures. En cette coupe-là, c'est vraiment pas une blague. Alors, faut que j'essaye de garder un... Et bah voilà, super. Bon, bah j'aurai l'argent, c'est déjà ça. Ah, ça change du début, hein. Hein, autant avant, les médailles d'or dans... Lors de la première coupe, par exemple, je les enchaînais sans problème. Alors là... Montrez-lui ce qu'il a gagné. Ouais, on a débloqué la tournée du sud, trop bien. Là, c'est compliqué, hein. Le jeu nous fait pas de cadeau. Hein. Voici un autre défi. Ah yes, un contre la montre. Si tu veux remporter cette course, mémorise l'emplacement des bloqueurs de chrono dans tous les. Bah oui, je sais que c'est sûr, c'est plus simple de les mémoriser, mais bon, j'ai pas le temps non plus de tryhard le jeu, Ashlyn. Hein. Attention. Ah non, là je l'ai fait trop tard. Là, par exemple, j'ai appuyé trop tard, donc ça n'a pas marché. Bon, est-ce que Figirali, je vais réussir à un peu mieux m'en sortir. Pour l'instant, le début n'est pas très très bon annonciateur de ma performance au global. Voilà, faut que j'essaye d'utiliser plus le frein à main. Ah, non, trop tôt. Ah, faut pas que je les loupe, ceux-là. Putain, j'ai réussi à les louper. Et ben, j'espère que ça va pas me porter préjudice. Ça va, Alicia, pas trop horrifiée par cette performance piteuse que je suis en train d'offrir. Bon, Nox, je me doute que ça doit le faire marrer. Hein. Je n'en doute pas. Parce que bon, certes, c'est 2,50, mais... Ah, c'est toujours la faute du véhicule, de toute façon. Allez, de l'autre côté maintenant. Ah, ces passages-là, ils sont horribles parce que c'est notre véhicule, il peut facilement se prendre des fois un petit truc qui dépasse du sol, aller sur les murs facilement. Enfin, c'est pour ça que cet endroit, bah voilà, encore une fois, mon véhicule qui part donc sur le côté alors que je lui ai rien demandé. Donc ouais, non, forcément, pas simple. Voilà, c'est ça qu'on veut. Enfin, deuxième tour, j'aurais intérêt à bien gérer, hein, parce que là... Ah, super, le corps de tank était sur la droite. Bon, bah là, faut foncer. Pas le choix. Alors là, cette fois, faut pas que je les loupe, là, les figeurs de 10 secondes. Sinon ça, là c'est sûr et certain que je n'y arriverai pas. Ok, c'est bon. Allez, en espérant que si je fasse pas trop nimpe, voilà, je vais peut-être pouvoir y arriver ce coup-ci. Bon, là ce qui va être compliqué c'est que là il y a très très peu de figeurs de temps maintenant. C'est vrai que les meilleurs je les ai quasiment tous pris avant quoi. Ouais, les airtime c'est surtout ça en fait qui fait que bah, très très souvent je me crash quoi, tout simplement. Ce qui fait que mon véhicule j'en perds totalement le contrôle très rapidement quoi.
Asako Jack X, on en rigole, mais hey, c'est pas simple hein, comme jeu en vrai. Hein. C'est pas si simple que ça. Hein. Voilà, et mon véhicule qui fait exactement la même chose que tout à l'heure. Au même endroit. Hein. Allez, même pas 30 secondes pour finir. Bah, j'espère que ça va suffire. 15 secondes à peu près, ça va se jouer à rien, mais ça peut le faire. Ah si, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Ok, ça passe. Ah, let's go. J'ai un peu sué quand même. Je ne vous le cache pas. Tournée du Sud. Cette piste enneigée est un vrai challenge. Waouh, mais c'est quoi ce circuit de ces morts là ? Donnez-moi des épreuves un peu plus simples. Soyez sympa quand même. Thanatodrome. C'est un top turbo. Top turbo. Même sur le Thanatodrome. Oh allez, vas-y, top turbo, pourquoi pas. Et yo, Père Castor, comment vas-tu ? Bonsoir à toi. Alors, est-ce que je vais réussir cette fois ? Ouais, voilà. Ça, c'est un départ turbo. Ouais, mais c'est pour ça, j'ai vu le tracé, je me suis dit, waouh, le tracé de c'est le tracé de la... De... Quoi ? Comment ça, mon ref ? Le tracé de la mort sur un tour, là j'ai fait, oh no. Jamais de la vie, mon ref. Enfin voilà, j'étais pas très très chaud, hein. Je pense que ça s'est vu. Allez, allez, non ! Vous ne mourrez pas avec vos missiles, vous m'avez déjà détruit une pile. On va se calmer. Bon, pour l'instant, ça va, parce que la piste, généralement, est quand même assez large. Bon, par contre, c'est vrai, comme je me suis fait détruire ma première pile d'énergie, j'ai pas une avance pour l'instant, donc c'est quand même compliqué. Ok. Pour l'instant, ça se passe à peu près bien. Encore une petite mine pour me sauver la mise. Ouais non, par contre effectivement le freiner, enfin on va dire gérer les virages avec le frein à main plutôt que juste freiner, c'est effectivement ça permet de mieux maîtriser quand même la chose. Hein, ça, là je m'en rends compte vraiment là. Ok, non j'aurais pas celle-ci malheureusement. D'où tu me colles toi. On va se calmer tout de suite. Ah non, on veut pas. Vous vous amusez avec les sons. Incroyable. Mais si, on va gagner. On veut que je gagne quand même. On veut la win. La win, sinon rien. Bon, bah, je m'en sors quand même un peu plus facilement que sur un circuit classique. Hein, donc vous en rendez compte hein, quand même. Ah là là, il pense pas avoir. Hein. On en est où dans le jeu ? Et bah écoute, on est sur la dernière coupe. Donc là, on est vraiment bah, plus très loin de la fin. De toute façon, ce soir, je termine le jeu, quoi qu'il arrive. Mais là, on est, on va dire, à la moitié, grosso modo, de la coupe éco-jaune, qui est la dernière coupe du jeu. Là, je suis sur le point de terminer une épreuve, pour le coup, avec brio, avec la première place. Même si c'est vrai que la coupe se révèle pas simple, parce que voilà que les épreuves sont quand même bien plus compliquées. Mais bon, là, c'est médaille d'or, ça fait plaisir. Et puis on va continuer d'enchaîner. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles cinématiques, donc bah, pour l'instant, on fait avec. Ah, la deuxième épreuve de la station de pompage. Donc jeudi, Tammy Way et samedi, Fort Boyard, tout à fait. Exactement. Ah bah, c'est le même tracé, sauf que là, c'est une course à mort cette fois. Et bah, allons-y. Allons détruire des véhicules. Les pilotes sont sur la ligne de départ. C'est bien ça, jeudi, chapitre 2 de Tell Me Why. Et samedi, live Fort Boyard. Ça va être trop bien. Bon,
Allons-y, alors là c'est vrai que... Y'a rien qui va. Samedi je pense que ça va être bien marron, ouais. Bon allez. Ah mais donnez-moi des armes un peu plus efficaces que les grenades là. Je dis ça et je reçois que des grenades. C'est le jeu est marrant quand même des fois. Alors ce que j'aime bien c'est que même les drones n'arrivent pas à s'en sortir. Vous voyez comment ils galèrent. L'IA galère à... sur une telle piste. Ça au moins ça m'arrange. Enfin ça me rassure, je suis pas le seul. Par contre effectivement c'est plus difficile d'accumuler les éliminations de drones là. Hop purée. Forcément il y a des virages tout le temps. Donc là j'avoue que malgré... D'accord, je sais pas pourquoi j'ai explosé mais c'est un concept. Soit. Il n'y a que des grenades, c'est une vaste blague. Et j'ai que 40 points quoi, c'est... Finalement c'est pas si ouf que ça. Hein. Là ça va, j'ai réussi à enchaîner un peu plus facilement. Voilà, oula. Aïe. Oh bah oui, compliqué quoi. En prochain jeu en remplacement de Jack, je pense que du coup ce sera Little Nightmares 2. Il y a de fortes chances. C'est vrai que j'avais hésité ces derniers temps à peut-être faire un autre petit jeu pour après enchaîner avec Little Nightmares, mais je pense que je vais enchaîner en vrai avec Little Nightmares une fois qu'on aura fini Jack X. Donc voilà, non mais c'est pas possible, mais mon véhicule fait non. Et on est à 15 secondes, alors on va rigoler quand on va regarder les paliers là pour les 110. Ah, je peux peut-être essayer de grappiller l'argent, ça peut être faisable. Et à 4 points près, je n'ai pas l'or, malheureusement. C'est marrant, c'est toujours sur la fin que j'arrive à avoir un gros paquet de points pour essayer de me sauver la mise. Mais là, à deux reprises, ça ne suffit pas pour avoir l'or, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. C'est les qualifs du Grand Prix, Jack. Bon, ça va, on a eu assez de points pour la deuxième épreuve qui sera objet à gogo, récupération d'objets. C'est pas la pire épreuve, maintenant, est-ce que la map, elle, est catastrophique, on va voir. Toujours 10 objets bien sûr. Allez, on y va. On espère que la chance sera avec nous. Ah bah super, Sig il était juste à côté d'un objet, tu m'étonnes qu'il a eu facilement. Tandis que moi j'ai déjà failli me retourner. Ouais, j'ai l'impression que la map c'est pas une... Ça va pas être... C'est pas ma map préférée quoi. Ouais non mais je galère à essayer de... D'aller au niveau des autres. Putain, il y en avait un juste là. Voilà. Ouais, et ça va trop vite. Par contre, la map est catastrophique. Ouais, non, C'est ça qui va rendre vraiment l'épreuve difficile en elle-même. C'est à cause de la map. Ah bah, il est bien sûr qu'il a eu le temps. Évidemment qu'il a eu le temps. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ah, évidemment, c'est de l'autre côté. Sinon, c'est pas marrant. Ce que j'adore en plus, c'est qu'il n'y a rien qui est indiqué, genre les endroits à hauteur par rapport aux autres. Hein. Non, mais si, il est déjà à 5. Mais vous y croyez, ça? Ah ouais, non, mais vraiment, démerde-toi et puis tu te fais, quoi. Je galère à remonter, là. Allez, peut-être celle-là.
Voilà. Pour l'instant, je suis loin de d'avoir la victoire assurée. Hein. Je peux pas essayer de grimper directement. Wow, ok. Vite. Ok. Oh, j'ai réussi à le choper sous son nez. Oh non, encore un pont à la con, c'est pas vrai. Non. Ah bah si, évidemment, il a déjà été récupéré. Non mais par contre, si, faut qu'il arrête là. Je sais pas qui l'a payé pour être aussi fort, mais il va récupérer le 8ème, j'hallucine. Sneak, il est déjà à 8. Non mais c'est une blague. Hein. Genre même là, en les enchaînant un peu, là, j'arrive pas à rattraper le retard. Elle est 7. Là, regardez, là, les objets, ils popent de l'autre côté de la map, tu m'étonnes que j'arrive pas. Oh putain! Oh. Ce véhicule. Bon, bah écoutez, ce sera encore une épreuve où je finirai pas premier. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juste mon véhicule, il arrive même pas à rouler sur la piste en bois. C'est. Y'a pas un qui peut mettre la boule noire de Motus là? Là, ça mérite. Là, honnêtement, ça mérite. Hein. Allez, peut-être qu'avec un peu de chance. Oh! Attendez, peut-être que c'est pas. Peut-être qu'il y a de l'espoir, attendez. Ouais, attendez. Y'a personne dessus. Ok, c'est bon, ça va. Ça va, non! Oh, j'ai failli le rater. J'ai failli le rater, mais ça passe. De toute façon, j'étais obligé de finir premier parce que c'est une épreuve de qualif. Les épreuves de qualif, c'était pas. Si tu termines pas premier, tu peux pas. Accéder au grand prix qui a lieu après, donc c'est parfait, ça m'arrange. Et pas de cinématique encore, mais la dinguerie. Alors du coup, attendez, grand prix, on est d'accord que c'est 50 points. C'est les qualifications pour le grand prix. Ok, donc il me faut 13 points. 13 points pour accéder au grand prix final. On va regarder les épreuves. Donc tournée du sud, c'est la course de la mort. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors, il y a aussi toutes les épreuves que je pourrais éventuellement refaire pour grappiller des points. Ouais, Spargus, il y a pas mal d'épreuves qu'on va devoir voir, ok. Crass, on a tout fait, sauf l'anneau des plages qui sera disponible plus tard. Et ouais, bon, à Bréville, il y a vraiment la station de pompage où j'ai merdé, mais voilà, quoi. Ok. On va peut-être refaire dès maintenant la course de la tournée du Sud, peut-être. Ou alors je vais peut-être regarder ce qu'il y a d'abord à Spargus. Il y aura peut-être des épreuves plus simples. Voici une autre épreuve. Là on a un top turbo, d'accord. Et route des plages, on a quoi? C'est encore une épreuve. Un chronomètre. Un contre-la-montre, je veux dire. On va tenter le top turbo. Voici. Le top turbo avant, ça a Voici été. Une autre épreuve rapide. On peut en refaire un, avec un peu de chance, ça va passer. Et c'est peut-être d'ailleurs la dernière épreuve que je vais faire pour cette VOD là, évidemment après nous sur Twitch, pas d'inquiétude, on va continuer. On va pas s'arrêter là. Mais pour YouTube, hein, bien sûr, il faudra attendre un petit peu avant d'avoir la suite qui arrive. Bon, en espérant que ça passe pour moi. Je rappelle encore une fois que dans cette épreuve, on s'en fout du classement, ce n'est pas pris en compte. Ce qui compte uniquement, ce sont les piles d'énergie qu'on active au fur et à mesure. Allez vite, voilà. Ça par contre c'est un joli circuit, ça, celui qui se déroule dans le temple Aspargus. Celui-là je l'aime bien. Non, vous m'aurez pas. En plus il s'est pris ma mine. Let's go. Ça s'appelle le karma mon pote. Ok. Pour l'instant ça se passe plutôt. Bien. Ouais, j'ai réussi à éviter le trou de... Oh non, ma pile elle a été explosée. Bon, on va arrêter de parler parce que visiblement le jeu, quand j'essaye de me rassurer, le jeu me rappelle que non, il m'aime pas. Directement. Waouh. Ok.
Genre, j'ai heurté quelque chose. J'ai visiblement heurté quelque chose à cet endroit précis. J'accepte. Même si ça me paraît injuste, j'accepte. Voilà. Ok, impeccable. Oh merde! J'aurais dû aller à gauche, je suis bête. C'est un peu bête là ce que j'ai fait. Parce que là forcément le deuxième, voilà maintenant il est à égalité avec moi, donc on va pas être tranquille jusqu'à la fin. Hein. Là je vous le dis. Je vous rappelle qu'il nous manque encore 13 points avant d'accéder à la fin. Avant d'accéder au grand prix. Ok. Oh, mon dieu, c'est dur, mais on peut y arriver. On y croit. On lâche pas, même si c'est dur. Allez, allez. Parfait. Oh, mon dieu. Mon véhicule, il était prêt à refaire un tonneau pour le kiff. Bon, ça va. Par contre, il est encore parti sur le côté sans que je lui demande. Bon, normalement, ça devrait le faire. Là, je pense que c'est la dernière pile que j'aurai le temps d'activer. Mais ça devrait suffire. J'ai une bonne avance. Voilà, il reste au moins 5 secondes. Et c'est la win. Let's go. Alors, cinématique ou pas? Oui. Ah, hey, c'est de la volaille. Je trouve ça plutôt bon. Tu veux goûter? Ah, ça pourrait être mon tonton, tu sais. J'avais un tonton avant. Il n'arrêtait pas de dire à mon père de raccrocher. Il a plus du tout la même VF, Peker. Au lieu de passer son temps sur la piste. Même du vivant de mon père, j'ai toujours été seul. Jack comprend de quoi. Et Peker, il a changé de voix, Jack. Au calme. Ces dernières semaines, j'ai découvert qui étaient mes vrais amis. Oh, arrêtez! Vous voulez nous faire chialer ou quoi? Faire. On verra bien si votre amitié tient toujours quand Miso annoncera qu'il fait entrer un pilote surprise pour la course finale. Un pilote surprise? Alors, par contre, il faudra m'expliquer pour la VF de Peker. Je m'en souvenais même plus qu'elle changeait comme ça subitement à la fin. C'est très bizarre. Bon, et bah, la vache, on aura galéré, hein. On aura galéré hein, sur ce qu'on a fait sur cette coupe là, sur cette VOD, mais au moins ça va, j'ai quand même bien progressé. Encore 10 points. 10 points à obtenir pour accéder au grand prix final, où apparemment un pilote surprise nous attendra. De qui s'agira-t-il, on ne sait pas. Et ben on découvrira ça du coup plus tard. Du coup, nous sur Twitch, comme je l'ai dit, on va enchaîner, on va pas s'arrêter là. On va juste marquer la pause ici pour YouTube en espérant que vous ayez apprécié cette VOD. Donc si tout va bien, la prochaine sera la dernière de ce let's play. Évidemment, si vous voulez bien sûr ne pas manquer les prochaines sessions live sur Twitch, et bien, vous avez toujours le lien de la chaîne en description, donc n'hésitez pas à y aller et puis à follow, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour la suite et la fin donc, de Jack X sur PlayStation 2. Allez, ciao.